Salut à tous, aujourd'hui je suis modèle Xtreme 34 qui fait une journée porte ouverte et j'en profite pour tester le circuit crawler qui a énormément évolué. Il a facilement doublé sur la dernière fois que je suis venu. C'est aussi le premier run du TRX 6. Donc il n'est pas d'origine puisque j'ai déjà testé un modèle d'origine avec celui de Kevin. J'ai donc des laisses sur les portiques sur chaque roue, donc 6 au total. Les portiques sont lestées en plus à l'avant. Et j'ai une sortie de pont. Carter de pont à l'avant lesté. Donc tout ça en Ninjora. Et je teste aussi mon nouveau joujou. Allez, c'est parti. Ouais, il est un peu violent. Ouais, c'est pas facile. Alors bon, mais pas grave, hein. Après, je vois que t'as pas la radio d'origine, il est peut-être bloqué en première au final. Je sais pas s'il a fait Cyril avec. Ah, là, je suis là. Ah, une jolie petite déco qu'ils ont faite. C'est immonde. Là, le cerveau là, il ne peut pas tourner à gauche à droite. Allez, on bloque, c'est 4. Voilà, ça passe tout seul. Ça veut pas? Ah merde! Ah, je sais plus en quel mode je suis. Pas attendre, j'ai pas beaucoup de freins à mon avis, ça reste un mode 1. Il faudrait que je sois en 4 ou en 5 sentiers ou. Comment il appelle ça, rampage. Pas des petits poissons. Ou des larves domestiques pour ça.
Ah oui, ils ont fait un bel obstacle. Là, c'est bloqué l'avant, juste. Oh, un beau dévers. Ça, c'est un bon test. Allez, je relibère l'avant. Je vais sur Fraxas. Résultat, c'est le Hobitech qui est en rade. Et il est en deux roues motrices. Ah là, il tourne bien. Il est débloqué. Franchement, ça va. Un petit peu de gaz et ça passe. C'est un peu plus réaliste. Là, je passe à deux. Comme ça, il y a un peu moins de frein, ça coule tout seul. Et je remets la vie. Là, qu'on va voir la maniabilité de l'engin. Que je vais, je sors pas, parfait. Comme quoi, dip débloqué, je démerde vraiment bien. Malgré la longueur. Un pare-choc, ma touille, j'ai accroché ma touille. Ah, ça fait mal. Ah, ah, ça fait mal. Non, on va passer normalement. Mettre de côté. Nous avons la chance d'avoir le pilote international pro sponsorisé par Fraxas Siron. Regardez avec les roues de Nico. Oh, ça fait des bons crampons. Voilà. Ça craque. Admirez, mais ça marche. Tu prends un air concentré, c'est ça? Allez, vas-y, vas-y, montre-nous. Là, il teste en même temps. Une superbe caméra. Allez, bloc les diffs. Allez, allez, bloc les diffs. Voilà, c'est ça, la c'est pas du talent. Fraxas, comment t'as fait ça passe. Voilà. Fraxas, quand tu commences un parcours, tu peux le terminer. Là, je viens de faire une tentative que j'espérais avec un Cerix 1, si à Cyril. Il me semble qu'il y a un problème d'entretien. Une série limitée, traction avant.
traction, c'est vrai que c'est une traction, ça fait, ouais, il y avait quelques bruits bizarres, quelques attaques. Donc c'est Nickel, juste le bloquer d'avant, parfait. Allez, je redébloque. Voilà, je suis content, tu vois, parce que c'est au moins c'est une machine. Du fait qu'elle soit différente, qu'elle soit longue et tout, ben, ça donne une vraie utilité pour moi au système de blocage-déblocage. Là où j'avais un peu le ressenti sur l'autre TRX 4, le High Trail Cheyenne, que ok, tu l'as, c'est cool, mais c'est un peu gadget. Ici, des fois, t'es vraiment emmerdé pour. Oh, frein. Ok, donc j'ai un mot de frein. Donc j'ai juste collé la marche arrière. Donc je disais, ouais, avec le Cheyenne, je me disais, ça fait l'impression que c'était un peu gadget. Et là, tu es obligé de compenser ses caractéristiques. Sa longueur, les 6 roues, donc il y a une vraie utilité à avoir ce blocage de diff. Bon, ça je suis content parce que moi c'est pas, voilà, c'est pas gadget, je sens que c'est utile et ça te fait une machine vraiment complètement différente, complémentaire de mon autre crawler. Alors, il y a un bon angle d'attaque, il faut pas déconner. Plus de batterie sur la petite, donc on va la mettre dans son boîtier de recharge. Dans quel sens? Moi j'imagine que c'est ça. Mais tu n'as pas pris les voitures hein? Si, mais moi j'ai parti que là. Pour l'heure, la batterie, il bouge la batterie. Hein? Ouais. Le batterie, plus le... Il a besoin d'un truc, il le fait. Hein? Mon voleur, parce que ma voiture, il a dit volontaire, il a dit venir. Ah, quand je suis de côté, moi je suis pas bon dans cet exercice. Ouais, j'ai un petit coup en tac sur les LED. Tu veux ta voiture, mon gars? Oui. C'est vraiment large, pourtant ça j'ai pas un petit machin. J'ai un gros engin. C'est lourd et long. Ouais, j'y pense. Je suis en première, ouais. Ah là, fusion, je serais bien. Là, le problème, c'est... Ouais, tant que tu es nickel sur la gâchette, je vois, mais... Quand t'as goûté aux fusions... C'est chaud là. J'ai pas encore la vie qui est là, mais depuis l'autre, on va plus, mais là, j'avais jamais essayé, c'est pas fait grand. Allez, déjà une roue dehors. Ouais. Un peu large. Ouais. Ça, c'est que ça s'écarte quand tu passes dessus. Là, franchement, j'ai pas les deux pneus complets de. Ah, ça y est, je suis sorti. Reviens. Ah, il est chaud là. Ah, j'ai la roue arrière droite qui est complètement sortie. Et. Oups. Je fais pas le mal hein. C'est bon. Alors là, par contre, j'ai pas pillé le sens. À mon avis, parce qu'il y a deux rampes en fait. Moi, ce que je vois, c'est descendre là et repasser de l'autre côté. Ah, bah oui, c'est ça. On va faire, on va tenter un truc comme ça. Voilà, je redébloque. Ah, chaud pour notre impeccable.
comment faire. Ah, la caméra. Voilà, pas de long. Ah, mais je passe pas dessous. Ah, si. Oh, c'est limite. Ah, ça rappe. D'accord, en fait, tu ressors. Par eux. Je vais la jouer. Je vais arriver. Oh là, on se calme. On peut faire la gueule. Voilà. Stop. Pas ouf. Ah, je le vois. Ah, mais il y a une marche quand même. Ça a été abîmé à mon avis. Parce que voilà la marche. Allez, je bloque arrière aussi. Voilà. On y arrive. Hop là, ça t'as rien à faire là. Allez, je rentre sur le circuit du coup. Ouais, à mon avis, il y aura une suite là-bas. Allez, je redébloque dans l'autre sens. Et on va prendre le circuit dans l'autre sens maintenant. Alors, la sortie est là-bas. Mettre la cam quand même. On a un pont basculant. Alors qu'il marche bien normalement, mais il y en a qui. Ah, dans l'autre. Moi, je fais rien comme personne, moi. Je fais dans l'autre sens. Mais là, ça passe pas. Voilà. Machin.
C'est toi le gros machin. Dès qu'ils peuvent faire chier, hein, ils sont là. Hein, ah ben les mecs en Traxxas, c'est un peu comme c'est mecs, comme ça. C'est comme les gars avec qui sont à T-Max en scooter, ils respectent rien. Ah, c'est de la vermine ça. Faut les éliminer tous. C'est quoi ces gens? Allez, maintenant que le Nico est passé, on va passer aux étoiles sérieuses. Bah, tu l'as senti arriver, celle-là, j'ai pris de la marche. Ouais, il faut du frein. Ah, mais moi, il n'y a pas. Il faut le gérer. Ah, ok. Personne en face? Allez, c'est parti. Ouais, je remonte la source. Là, je suis bien en première. Ouais, il n'y a pas un frein terrible. Je trouve des pilotes les vifs. Ah bah oui, c'était, du coup c'est sur la chute. Il faut de l'angle d'attaque là quand même. Ah, le cerveau qui va pas tourner. Nul. Oh, mais il est vachement haut. Ouais. Ça doit te barrer, on empêche. On pose bien les pneus. Hein. Bon, ils sont pas grand chose à leur dire. Je sais pas qu'avant. Pas hyper droit, on va faire les blocs arrière aussi. Voilà. Je passe. Ah, ça y est, je suis sorti. Ouais, je suis content, les pneus ils bossent bien. Je pense pas qu'il y ait besoin de mousse en 3D là-dessus. J'ai envie de garder ces jambes, j'ai pas envie de décoller les pneus pour mettre le meilleur mousse. Pour l'instant, pas mal. Allez, je prends des blocs tout pour faire le braquage. Oh, c'est moi qui suis à l'envers. Hein. Je peux laisser la priorité, il n'y a pas de problème. Rajoute un peu de challenge. Comme ça, il dure deux fois plus longtemps, c'est bien. Je le fais à chaque fois. Après, est-ce qu'il y a un passé partout? Bah, à part là où les lianes se sont desserrées, ouais. Normalement, oui. Ça, on va le retendre. Et soit tu passes comme ça, soit tu passes à côté. On va acheter un peu de pièces. Tiens, j'en débloque. Ah, j'arrive. Logiquement, il va monter. En vrai, là, je suis content d'avoir les protections inox parce que sur les cailloux, ça te fait glisser. Ça fait vraiment effet style et tu passes mieux sur la roche. Allez, pont débloqué, première, ça part.
Ah merde, ça se fait avoir. À la tête ailleurs, hop. Voilà. Ben là, je me régale avec Assis. Franchement, il est trop bien ce tractat. Je suis super content de l'avoir pris. Ouais, on va essayer de s'en sortir en verrouillant les diffs. Ouais, nickel. Nickel, j'entends, je me régale. J'ai l'impression de faire du trial. Voilà, je bloque tout. Et là, ils ont mis un petit hiver un peu chaud pour le demi-tour. Alors, je vais essayer et c'est une nouvelle trajectoire. Oh, c'est dur, dur, dur. Attention là, dangereux, dangereux. À m'approcher. On va essayer de ne pas finir dans la mare. Allez, je débloque les 10. Pour tourner plus court, nickel. Ah bah oui, mais si bah, la première fois ça marche pas, n'essaye pas une seconde fois aussi. Donc, c'est trop grand l'espace, voilà. Allez, tu remets ça. Peut-être pas passer une roue. Allez, à gauche. Voilà. Et pas braquer, voilà. Parfait. Alors je trouvais qu'il faisait. J'avais l'impression qu'il faisait un petit peu plus de bruit de transmission, soit le bruit que j'aime pas chez les crawlers. Après avoir installé les updates, ça me choque un petit peu moins là. À voir. Alors, effectivement, quand tu as eu Fusion, j'adore l'écotractas, je continue à le dire, mais quand tu as testé le Fusion, c'est clair qu'il y a une différence. Parce que là, j'ai quelques millimètres de gâchette, tu vois, il se passe rien. Et avec le Fusion, hop là, ça commence à avancer. Et qu'avec le Fusion, je pourrais avancer vraiment au millimètre. Et sur des passages un peu délicats, ça. En fait, quand tu l'as eu, après que tu l'as plus, ça te manque. En fait, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est pas mal. Mais bon, après, pour commander des mortels, l'électro d'origine a fait le boulot. Sauf ce cerveau qui manque clairement de puissance. Ah, bim, allez, la carrosserie. Que j'ai commandé un pare-choc métal, mais il n'est pas reçu encore. Mais ouais, c'est chouette qu'ils n'aient pas lâché et qu'ils aient prolongé la distance, allongé ce parcours crawler. Parce que du coup, en faisant les retours, on en a quand même pour un bon petit moment à s'amuser. On verra combien de temps durera la vidéo. Ah, allez, ça glisse. Allez, je mets les 4. Je m'indique le temps complet de rush que j'ai sur la petite crawler. Après, c'est vrai que des fois, je me suis arrêté pour chercher. Allez, je veux tourner. J'ai bloqué 10. Ce serait pas passé. Ah, mais ça passe pas non plus, mais c'est. C'est quand même nettement mieux qu'avec les 10 bloqués, d'autant plus que quand tu bloques l'arrière, c'est les 4 roues, donc les 2 ponts qui sont bloqués. C'est-à-dire que ça fait 2 ponts qui te poussent vers l'avant quand tu freines chez un 4x4. Donc je te dis que l'effet il est encore plus prononcé ici. Tu profites encore plus de ton gadget. Merde, j'ai laissé tourner la petite, on va en critérer. Donc j'ai enlevé le point bascule en fait qui était dans ce coin là. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal parce que je trouve pas que ce soit un module qui apporte grand chose. Et ouais, ça reste sympa.
sans avoir ton bascule. J'aime bien ce petit décor là, très sympa. Ah merde, je suis à voir. Je fais pas gaffe. Ah, ça passe maintenant? Ah oui, ça passe. Je vais faire marcher, hein, mais non, ça passe. J'ai bloqué les cabines. Là. Ah oui, voilà, on peut aller ici. Ah oui, si, monsieur. Alors, on est bloqué. Ah mais il est abîmé non? Oh oui, il est abîmé, ça fait exprès, je sais pas, mais en tout cas... Ah non, allez, on bloque tout. Ah, il y a une branche qui va le faire chier en bas. C'est bon, c'est passé. C'est une machine, cet argent. Ah, le cerveau qui a dit merde. Ah, prends la roue plutôt que la carreau. Ah. Et en bloquant. Ah, voilà. Des passages de roue qui bloquaient. S'accrocher dessus. Et voilà, c'est terminé. Eh ben, je suis super content de monter 6. Et vous me direz ce que vous pensez des images de la petite caméra dans les commentaires. Ah, et ben, j'ai fini la batterie. Donc, j'ai roulé un bon petit moment. Coupure 3-5. 3-6.